Il y a une erreur. Il n'y a plus de connexion Internet. Il n'y a plus de connexion Internet. Donc ça a fait erreur. Parce qu'il faut une connexion Internet obligatoire pour ce jeu. Ce qui n'a aucun sens, hein. Mais bon, faut une connexion obligatoire. C'est bizarre. Ignorer. Bon. Ben ignorer. Essaie de les étourdir. Ça, par contre, ça c'est chiant parce qu'en gros, ça fait comme ça. C'est le même problème qu'avec, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est le même problème qu'avec Origin, ah, merde, pas Origin, avec Assassin, avec Horizon Forbidden West ou Horizon. C'est des t'appuies sur le bouton carré pour assommer l'ennemi, mais c'est aussi pour taper l'ennemi. Donc si le bouton carré n'apparaît pas au bon moment, eh ben tu appuies sur le bouton carré et ça tape l'ennemi. Et donc tu te fais repérer automatiquement. Alors que en vérité, ce qui aurait été bien, c'est que tu aies deux boutons différents. Un bouton pour assommer un ennemi et le bouton carré pour attaquer. Et là, vu que les deux boutons, c'est les mêmes pour attaquer et pour assommer, c'est-à-dire que si tu n'appuies pas au bon moment sur le bouton, eh ben ça assomme pas l'ennemi. Et tu l'as dans le cul. Et tu te fais repérer par la même occasion. Alors que dans Far Cry ou dans d'autres jeux, eh ben, le bouton pour assommer l'ennemi et pour attaquer n'est pas le même. Résultat, si tu appuies sur le bouton pour l'assommer, eh ben, tu ne te feras pas repérer parce que ça ne sera pas le même bouton que pour attaquer.
Et ça fait chier. Ça veut dire que là, j'ai appuyé sur le bouton pour l'assommer, mais le bouton a disparu. Résultat, je l'ai attaqué. Résultat, je me suis fait repérer. Regardez-moi ce petit machin. Ok, Nyx, on essaie de les étourdir. Je voulais pas qu'elle attaque, je voulais pas qu'il 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 attaque. Oh, sa mère la pute, je voulais pas qu'il attaque, merde! On recommence. Vas-y, Nyx. Qu'est-ce qu'elle veut, cette saloperie? Ok, Nyx. On essaie de les étourdir. C'est le moment de les distraire, Nyx. C'est quoi ce truc? C'est vraiment pas le moment de manger, Nyxie. À toi de jouer. J'ai jamais vu un animal pareil. Thank you.
veux bien ouvrir cette grille? Oh, comment on va faire, Nyx? Le plan, c'était pas de se faire prendre. Ok, on a l'identicarte. Le sabot brisé. On y sera en sécurité. On fait profil bas un moment. On sort pas du grenier. On va faire ça. Personnellement, j'aurais aimé que tout le jeu soit comme ça. Vraiment un jeu avec des zones plutôt fermées, comme The Last of Us par exemple. Quelques zones ouvertes, mais pas trop. J'aurais vraiment préféré que tout le jeu soit comme ça, en zone très fermée. Enfin, non, pas très fermée, mais plutôt fermée, comme The Last of Us. Ça aurait été beaucoup plus agréable, avec une durée de vie, allez, une vingtaine d'heures, quinzaine d'heures, vingtaine d'heures. De toute façon, je prends trop de temps, moi. Rien que là, le fait de passer des personnages, je prends des plombes, parce que je joue full infiltration, et donc, si je joue full infiltration, dès que je me fais repérer, je recommence tout, ça me fait perdre du temps, parce que je joue absolument full infiltration. Donc forcément, moi, le temps, moi, un jeu qui fait, pour certains, un jeu de 20 heures, tu peux doubler l'heure, même tripler l'heure. Un jeu de 20 heures, pour moi, c'est un jeu de... Voilà. C'est un jeu de 50 heures, pour moi. Donc, voilà. Avec moi, la durée de vie, elle triple. Elle quadruple même. Ok. Ok, c'est bon. Texture, c'est pas des trucs de ouf, hein. Mais ça va, c'est pas non plus horrible. C'est pas des textures à la Stellar Blade, par exemple. Allez, on retourne à la cantina. C'est le seul endroit sûr. Bram est pas là. Tant mieux. J'avais pas envie d'en parler.
Abraham, j'ai pas envie d'en parler. Tu croyais pouvoir entrer tranquillement et voler les scandocs les plus précieux de Kanto? Je te l'ai dit, Kay. Le sixième parent aura ta peau. Davis! Nous savons que tu es là, ne complique pas les choses! Tu ne dis rien, et tu ne fais rien. Non, 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 non! Allez, toi! Allez pas là! Menteur. Vous croyez que j'ai envie de voir mon bar partir en fumée? Je m'en fous de cette gamine. En fait, je vais même vous aider. Hé, je crois qu'elle est là-bas. Non. Tu nous ralentirais. Allons-y. Ram. C'est rien. Et ta jambe? C'est rien, j'ai dit. C'est un nouvel équipage. Très risqué. Quoi qu'il en coûte, tu vas finir ce boulot. Le butin devrait être suffisant pour quitter cette planète maudite. C'est bien ce que tu veux. Il faut partir, Kay. Pour de bon. Je reviendrai. Non. Surtout pas. Où est-ce que tu es? Le sixième parent est partout. Faut pas qu'il nous voie, Nyx. Ça fait aussi penser à Horizon Forbidden. Enfin, ça fait aussi penser au début d'Horizon. Pareil avec Aloy qui se sépare de son mentor. J'en ai marre. Les mecs, renouvelez-vous, les mecs. Sortez-vous les doigts du cul, renouvelez-vous, putain. Chier, putain. Ça fait penser au début de Star Wars. Ça fait penser au début d'Horizon. Ça fait penser au début de Jedi Fallen Order, ça fait penser au début de Horizon, ça fait penser au début d'Assassin's Creed. Merde, y en a marre de ces conneries. Putain, changez de disque un peu. Faites autre chose. Merde, les triple A, vous faites chier, putain. Ah, c'est fatigant. En vérité, le pire, c'est que ça fait même penser à The Witcher 3. Puisque Geralt est accompagné par Vesemir. Et ensuite, ils se séparent. Ça fait même penser au début de The Witcher 3. Il y a toujours un type inutile qui les accompagne au début. Bon, après, il est revenu, Vesemir, par la suite. Mais bon, lui, je parie qu'on le reverra plus jamais. Et même si on le revoit, on s'en fout. Ça fait... À chaque fois, c'est pareil. T'es accompagné par un type, voilà, plus âgé. Voilà, et après, vous vous séparez et... C'est le même délire. Que ce soit Horizon, Star Wars Fallen Order, Assassin's Creed, Mirage, c'est toujours pareil. Moi, ça me pète les couilles. Hein. Sérieux, ça me pète les couilles. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui me casse les burnes. Renouvelez-vous. Je sais pas, sortez. Toi, The Last of Us, part 1, au moins... D'accord, l'histoire est pas ouf, mais au moins, le début, mais c'est un début choc, mon gars. Je veux dire, c'est un début choc. Le mec, il est là, il avance, et là où on se dirait, dans la logique des choses, que c'est la petite fille qui survit et que c'est le père qui meurt, là, c'est tout le contraire. C'est la petite fille qui meurt et c'est le père qui survit. Voilà, là, ça change, bordel de cul. The Last of Us Part 1, pareil, on s'est habitué à Joël comme étant le héros. En plus, ils ont pas eu... Ellie n'a pas eu de relation avec Joël. Donc ça commence pas comme... où Joël, c'est le grand sage qui va aider Ellie à s'émanciper ou tout ça. Puisque ça a été fait... Ça n'a pas été fait totalement dans The Last of Us Part 1. Mais Part 2, ils se parlent plus, de toute façon.
ils communiquent plus ensemble à cause du mensonge de Joël. Donc, au début de The Last of Us, on voit juste Joël, et ensuite on joue Ellie, Ellie qui ne parle plus à Joël. Voilà! C'est comme ça qu'on fait une histoire, putain de ta mère la pute, là. Mais là, c'est du ressucé, du repompé. C'est fatigant. C'est ressucé, ressucé, ressucé. C'est dur de jouer à des jeux vidéo après avoir joué à The Last of Us Part 2. C'est dur. C'est pour avoir une histoire palpitante, un truc puissant, sans que tu te dises, putain, mais j'ai déjà vu ça quelque part. C'est dur. The Last of Us Part 2, c'est... Et même le 1, en vérité. Même le 1, le début est choc. Le début, il te retourne le cerveau. Et le 2, il te retourne encore plus le cerveau. Là, mon gars, j'ai l'impression d'avoir vu ça un milliard de fois, quoi. Ce genre de début en mode, ouais, je suis la petite vaurienne, ensuite je dois me séparer du l'espèce de mentor qui m'a aidé. Mais putain, j'ai vu ça dans Horizon, j'ai vu ça dans Assassin's Creed Origin. Odyssey aussi, je l'ai vu. Ubisoft, vous faites chier, putain. Odyssey aussi. Il y a un espèce de mec qui l'accompagne au début. Même il veut vendre du vin. C'est pareil, Odyssey, c'est la même chose. Mais les mecs, c'est des robots ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est une IA qui fait des scénarios des jeux. Et le pire, c'est que je pense que c'est même pas une IA. Hein. C'est des êtres humains qui n'ont rien à foutre, quoi. Qui se disent pas, tiens, j'ai envie de faire autre chose. Je sais pas, le début d'Assassin's Creed, c'est pareil. Assassin's Creed Odyssey, c'est pareil. C'est un mentor. Un espèce de vieux mec qui a éduqué le personnage. C'est tout le temps pareil. Putain de ta mère la pute. C'est... Mais sortez-vous les doigts du cul. Payez-vous des scénaristes, bordel de cul. Ellie Ross, elle a fait un boulot magnifique avec The Last of Us Part 2. Payez-vous des putains de scénaristes, merde. Des scénaristes, c'est leur boulot. Avec Ellie Ross, même s'il y a des fils de pute qui n'ont pas aimé The Last of Us Part 2, c'est une tuerie. Et en vérité, le 1, le début du 1 est excellent. Bon, la fin du 1, j'ai détesté, mais le début du 1 est excellent. Mais là, ce que vous faites là, mais vous êtes des enculés, quoi. Après, attention, The Last of Us Part 1 est très prévisible. Le 2, il est moins prévisible, par contre. Tu t'y attendais pas que Joël se fasse tirer dessus. Personne s'y attendait. Donc c'est moins prévisible. Le 1, par contre, t'as pas... Bon, tu t'y attendais pas que la fille de Joël meure. Bon, voilà, bon, d'accord, ok, c'est pas aussi prévisible que ça, c'est vrai, je mens. Mais Joël, qu'il se fasse buter dès le début du 1, personne s'y attendait. Et la fille d'Elie, la fille de Joël, qu'elle se fasse buter au début du 1, personne s'y attendait. Donc finalement, non, c'est pas si prévisible que ça, même le 1 est pas prêt. Par la suite, par contre, quand il rencontre Ellie, là, ça devient prévisible. Mais au début, non, personne s'attendait que la fille de Joël se fasse buter aussi froidement. Et pareil, personne s'attendait à ce que Joël se fasse buter aussi froidement. Mais ça, c'est du bon... C'est du bon scénario. Mais là, mon gars, je m'y attends qu'elle va partir de cette planète. Je le sais, merci, c'est de la merde. Assassin's Creed Odyssey, c'est pareil. Vas-y, barre-toi de l'île. Assassin's Creed Mirage, c'est pareil. Vas-y, va t'émanciper ailleurs. Star Wars Jedi Fallen Order, c'est pareil. Horizon, c'est pareil. Ce jeu me fout la haine. Dis-moi juste où elle est. Je sais pas, moi. J'ai entendu dire qu'elle habitait au-dessus de la cantina. Si tu la vois, tu viens nous le dire tout de suite. Où est-elle? Thank you.
peux pas te cacher éternellement. Ils ont eu Priban. Je crois que je vais pas être la seule à devoir quitter Kanto. De toute façon, il y a personne. D'après la tablette de Bram, notre contact s'appelle Denyon et devrait être juste là. Allez, monte. Tu viens d'où ? D'ici. Ouais, mais je vois jamais la ville comme ça. Marrante, cette ville. T'es pas du coin. C'est qui la cible ? Un boss nommé Sliro. Il gère un syndicat du nom de Zerek Besh. Des nouveaux, très riches. Et à ce qu'on dit, toute la pègre a très peur d'eux. Il y aura de la sécurité, alors. Ouais. Mais surtout une fortune si t'accèdes à sa chambre forte. Pour péter le mot de passe. Toi et ton petit ami, vous avez intérêt à être aussi bon que le dit Bram. Descends. Denyon, comment on procède ? Quand tu seras en position, on attaquera l'entrée principale. Toi, tu t'infiltres, tu désactives la sécurité et tu trouves la chambre forte. Vous êtes pas du genre à rigoler, vous. Quand on s'en prend à un baron du crime comme Sliro, il faut le faire sérieusement. Ils ont réussi à foutre une meuf encore plus moche que l'héroïne. L'héroïne, à côté, c'est une bombe sexuelle. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de meuf dégueulasse avec sa coupe de cheveux, là ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non mais c'est vraiment des enculés chez Ubi. Hein. Bande de fils de pute. Ah, ils cassent vraiment les couilles. Hein. Et alors, ok, ce genre de meuf, ça existe. Y'a pas de soucis.
Y a aucun problème. Si t'as envie d'en foutre, vas-y, fous-en. Mais n'oublie pas aussi qu'il y a des espèces de bombes sexuelles hein, qui existent dans la planète. Hein. Des meufs sur-sexualisées qui existent dans la vraie vie aussi. Donc, tu peux en mettre aussi, fils de pute. Ne mets pas que des meufs avec un nez cassé ou une meuf avec une coupe de cheveux de mec. Tu peux aussi foutre des meufs sexy qui aiment être sexy, qui espèce d'enculé de ta race de fils de pute d'Ubisoft. Commence à me péter les couilles. Hein. Profite de la vue, Nyx. D'une façon ou d'une autre, c'est la dernière fois qu'on la verra. Oh, j'espère que Bram va bien. Il m'a tant appris. Et regarde ce qui lui arrive par ma faute. Je dois pouvoir me balancer de l'autre côté. Tiens-toi bien, Nyx. On va grimper. Denyon, je vois une tour. Je pourrais entrer par là? C'est toi, la voleuse. On est en position, en attente. Regarde pas en bas, Nyx. Oh putain! C'était bizarre. J'ai l'impression de jouer à Uncharted 4. Denyon, j'ai le manoir en vue. Ce Sliro, il est riche à quel point exactement? Il est au moins dans le top 5 de la bordure extérieure. Sliro a créé Zerek Besh à partir de rien et ça, c'est pas donné. C'est son empire du crime personnel. À part ça, personne ne sait rien sur lui. Eh ben, tu sais comment choisir tes cibles. Si tu veux être riche, il faut taper là où sont les crédits. Ouais, ça va, au niveau des textures, ça va, c'est pas le truc de ouf, on n'est pas au niveau d'horizon. Mais Stellar Blade, les textures étaient vraiment dégueulasses, Stellar Blade. Ah d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi se mettre de ce côté-là? J'ai pas compris. Bah voilà.
dirait une autre ville vue d'ici, pas vrai, Nix? J'ai du mal à croire qu'on va peut-être partir. C'est... je sais pas. On voulait une chance de faire un gros coup, et ben... on l'a. Oh, ok, Denyon, je suis en position. On lance le feu d'artifice. À toi de jouer. C'est quoi, ça? Sadnala! Je parie qu'on peut voir ça. Vraiment un jeu d'infiltration avant toute chose. Si les gens prennent ce jeu pour un jeu d'action, eh ben, grosse erreur. C'est avant tout un jeu d'infiltration. Avant d'être un jeu avec de l'action, c'est avant tout, en priorité, un jeu d'infiltration. J'espère d'ailleurs que l'infiltration sera bien dans Assassin's Creed Shadow. On n'a jamais volé dans un endroit aussi classe. Détourne l'attention. Je m'approche pas de ce truc. Par contre, on peut pas déplacer les ennemis, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais bon. C'est pas ce truc. Ça, c'est le mode écoute de The Last of Us. Ne déconcentrez pas. Qu'est-ce que tu vois ?
Où est le A? Où tu vas, meuf? Il est à terre! Remontez les recherches! Oh! Il y a quelqu'un? Je sens qu'il y a quelqu'un qui rôde. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Putain, va te faire foutre. Je me suis pas baissé. Ce boulot va prendre. On doit pas se faire voir. Je dois attirer leur attention. On n'a jamais volé dans un endroit aussi classe. J'ai jamais vu un animal pareil. Qu'est-ce que tu veux, toi? Attends, l'a tué avec son avec un petit coup de poing. Et ils sont super fragiles, les personnages. Enfin bref.
C'est bizarre. Va-t'en. Trop pris pour un con, mais tiens. J'ai trop pris pour un con. Toujours rien. On doit pas se faire voir. Je dois attirer leur attention. On n'a jamais volé dans un endroit aussi classe. Nex, à toi de jouer. Je dois me concentrer. C'est quoi ce truc? Dans les supermarchés, les personnes qui font la garde dans les supermarchés, hein? Bon, d'accord, ok. Bon, c'est pas un bon exemple. Ah, il y a d'autres. Oui. Bon. Ok, j'ai rien dit. Vas-y, je ferme ma gueule. Problème. Je vais ouvrir l'œil. Nix, distraction. C'est quoi ce truc? Allez, hausse! Rien du tout.
ça résout toujours tout. Je suis entrée. Prends l'ascenseur, c'est l'accès le plus direct à la chambre forte de Sliro. Bon, une barrière laser. L'alimentation doit être quelque part. Nix, trouve le générateur. On reproche pas qu'un jeu Souls-like ressemble à un Souls. On reproche pas qu'un jeu Metroidvania ressemble à un Metroid. Par contre, on va reprocher à un jeu d'infiltration. On va le reprocher de ressembler à un jeu d'infiltration. Il y a un truc qui tombe pas rond dans le cerveau de certaines personnes. Qu'est-ce qu'ils ont, les riches, avec leur vieux vaisseau ? Faut être riche pour comprendre. Ça passe parce que c'est pas un open world, mais quand ça va devenir un open world, là ça va piquer. Enfin, quand ça, l'environnement va être ouvert un peu plus, là ça va piquer. Là ça sera chiant. J'ai intérêt à me concentrer que sur la quête principale, hein, qui sera pas passionnante, mais bon. Ça devrait le faire. Il y a des ennemis. Il y a des caméras. Des traces de blaster. Qu'est-ce qui s'est passé ?
des caméras. On doit les éviter, Nyx. Ce sont bizarres, les caméras. Comment ça marche ? Je comprends pas, en fait. Bon. Ok. Ok, d'accord. Allez, go. Voilà le turbo-ascenseur. Et bien sûr, la barrière qui va avec. Je croyais que cet endroit était bien gardé. Oh, il l'est, oui. L'intrus arrivera jamais à ressortir d'ici. Quelqu'un a pensé à prévenir Sliro? T'inquiète, il est au courant. Pas ici, pas ici. Mais le tir descend ou pas? Distraction, Nyx. Pourquoi il fait ça? Merde. Dégage. Il y a quelqu'un? C'est pénible. Allons-y. Je me suis éloigné. C'est pas normal. Trouvez ! Il nous poursuit ! Ok. Voilà le turbo-ascenseur. Et bien sûr, la barrière qui va avec. Ah. Nyxie, à toi de jouer. C'est louche. Il est passé où l'autre? Ah, il est là-bas. Tu vois quelque chose? Merde, il va voir sa collègue. Okay.